Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les jours une nouvelle vidéo résumant l'actualité automobile en quelques minutes et tous les samedis, l'intégrale de la semaine. C'est parti ! Ah, la future R5, un retour dans le temps avec une petite dose de modernité comme une vieille rockstar qui aurait découvert les joies du numérique. Renault nous régale avec un showcar depuis 2 ans dont le modèle de série reprendra tous les traits extérieurs. Mais le mystère persistait à l'intérieur comme une boîte de chocolat dont on ne sait jamais vraiment ce qu'on va avoir. La voilà maintenant, cette R5 en test sur route ouverte, prenant le risque de se faire flasher par des paparazzi de l'asphalte. Et bingo, un passant chanceux a immortalisé l'instant, nous offrant une vue sur le tableau de bord de la petite citadine électrique qui agite les discussions. À l'intérieur, fini le revival à tout craint, place aux écrans. On reconnaît la patte des dernières productions avec un écran tactile, plus petit certes, mais bien là et en mode paysage. Derrière le volant, on reprendra la même disposition que sur les Mégane et Scenic E-Tech avec tous ces Komodo, 4, rien que ça, dont 3 du côté droit. D'un point de vue tout à fait objectif, comme d'habitude sur cette chaîne ou presque, j'admets avoir un peu de mal avec cette intégration. Un Komodo pour sélectionner la vitesse qui ressemble à une girafe, un autre pour les essuie-glaces et un autre pour le multimédia. Il n'y avait pas moyen de faire un peu plus simple ? Quoi qu'il en soit, rendez-vous en 2024 pour la grande révélation de cette nouvelle Renault 5, un modèle qui devrait se négocier aux alentours des 30 000 euros. Pas donné, mais face à la concurrence venue de l'Empire du Milieu, la R5 a un joker dans sa manche, le bonus écologique. Fabriquée à Douai dans l'Hexagone, avec une batterie aussi fabriquée en France, elle a tout bon pour cocher la case bonus. Et si ça se trouve, elle aura droit à une petite offre de leasing du gouvernement. Enfin, si celui-ci arrive un jour. Voilà maintenant une annonce qui va faire vibrer le bitume de l'autoroute A10. Vinci Autoroute, en partenariat avec les groupes MIA, Savac et les cerveaux de l'université Gustave Eiffel, nous prépare une petite révolution pour 2026, des navettes autonomes. Imaginez-vous ces engins électriques comme des bolides du futur voguer sans capitaine sur cette autoroute mythique. Deux intrépides navettes seront les premières à affronter ce périple quotidien, totalisant une trentaine de va-et-vient sur ces 28 km d'asphalte. Elles ne dépasseront pas les 90 km/h dans un premier temps. Une prudence bienvenue pour ces pionnières de la route sans conducteur. Vous l'avez compris, c'est un pas de géant vers l'avenir qui nous attend sur cette autoroute A10. Des navettes qui fileront sans pilote à bord, offrant un avant-goût de ce que sera notre vie sur les routes de demain. Doit-on s'en réjouir ? Je ne sais pas. On termine avec notre cher président Emmanuel Macron qui, hier soir sur TF1, a annoncé une aide pour les travailleurs les plus modestes. Le président de la République a évoqué un dispositif qui pourrait atteindre 100 euros par voiture et par an, limité aux 50% de travailleurs les plus modestes. En gros, le gouvernement prévoit d'offrir environ un plein d'essence par an à la moitié des automobilistes travailleurs les plus modestes et sous condition. Quelle générosité ! C'est comme dire à son fils de 14 ans que s'il obtient 20 sur 20 à tous ses contrôles pendant un an, il aura 10 balles d'argent de poche. Stellantis nous gratifie d'un nouveau venu dans la ménagerie des petits bolides électriques urbains. Après la Citroën Ami en 2020 et l'Opel Rox électrique qui a suivi, Fiat débarque dans l'arène en ressuscitant le nom Topolino. Un nom qui résonne comme passion italienne, n'est-ce pas ? Ce petit véhicule électrique transalpin, cousin germain de la Citroën Ami, se pare de la mécanique de cette dernière. 8 chevaux rugissants, une batterie de 5,5 kWh, une allure maximale de 45 km/h et une autonomie de 75 km. On n'est pas là pour aller conquérir le monde, mais plutôt pour régner en maître des petites ruelles. Naturellement, ce bijou soigné s'accompagne d'une note un brin plus corsée que sa comparse la Citroën Ami de base. Quand la Topolino a été annoncée il y a quelques semaines, on s'attendait à 13 ou 14 000 euros, car la Citroën My Ami Buggy était à 10 490 euros, soit quasiment 3 000 euros de plus que l'Ami de base. Mais Fiat a réussi à ne pas faire exploser la facture. En Italie, la Fiat Topolino s'affiche fièrement à 9 890 euros, un écart de presque 2000 euros par rapport à la Citroën Ami premier prix à 7 990 euros. Certes, on parle toujours d'un ticket d'entrée assez relevé pour un engin en plastique qui, soyons honnêtes, ne rêve que de bitume citadin. Cela dit, dans nos contrées, la facture sera moins salée, la TVA en Italie étant à 22%. Et je me demande si parmi le trio Ami, Rox et Topolino, ça ne serait pas la Topolino qui aurait tout compris au concept de déplacements urbains. Fun,
drôle, plutôt joli et pas trop cher. Même s'il y a quelques années, pour le même prix, on pouvait s'offrir une Ford Fiesta toute neuve. Les temps changent, ma pauvre dame. Parlons maintenant d'Emmanuel Macron, oui encore, qui nous a promis son leasing social, un joli cadeau pour les amateurs de watts à moindre coût. On parle ici d'une démocratisation de la voiture électrique pour nos compatriotes modestes avec un tarif plancher presque symbolique, 100 balles par mois, une aubaine. Mais ça met la pression sur les constructeurs et le gouvernement car entre les offres de location et les petits caractères en bas de page, il va falloir faire des prouesses pour atteindre ce chiffre magique. Alors le leasing social, on en entend parler depuis quelques temps maintenant, mais ça prend du temps. Et pourquoi ? Eh bien pour obtenir un prix aussi doux que du coton demande du doigté. On ne sait pas encore qui va mettre la main à la poche entre les constructeurs, les financeurs et notre cher État. Ce dernier risque d'ouvrir le porte-monnaie pour donner un petit coup de pouce à l'achat, histoire de soutenir nos compatriotes aux revenus plus modestes. Et attention, on n'accueillera que des bolides sortis tout droit de nos contrées européennes, exit les engins venus de Chine, comme la Dacia Spring. Emmanuel Macron nous annonce donc une mise en route plutôt timide en 2024. On parle d'un rodage, on veut du ciblé, on veut du juste, on évoque même un guichet pour centraliser les demandes et faire le tri dans les modèles éligibles. Pour l'instant, on n'a pas encore la liste, mais chez Renault, on parle de la Twingo électrique et puis de la future R5. Chez Citroën, on nous mijote une C3 électrique qui se dévoilera en octobre et qui pourrait également être éligible à cette offre. Regardez qui sort les griffes et se prépare à rugir sur la scène mondiale du luxe. Enfin, rugir en silence. Lotus s'apprête en effet à devenir une véritable incarnation de l'opulence automobile électrique. L'EMEIA vient tout juste de faire son entrée dans l'arène et on peut dire qu'elle ne passe pas inaperçue avec près de 5,10 m de long. À l'intérieur, on se croirait presque dans une limousine, les jambes ont de la place, contrairement au coffre qui mystérieusement garde cette dimension secrète mais qui a l'air un peu timide pour la catégorie. Passons à la planche de bord qui, sans surprise, est très proche de celle de la Lotus Elettre, qui est elle-même assez proche des productions BYD, qui sont elles-mêmes assez proches des productions Tesla. On note également la présence d'écrans dans les portes pour voir ce qui se passe derrière. Côté batterie, on trouve un sacré paquet d'énergie, 102 kWh pour être précis. Lotus reste un peu mystérieuse sur les motorisations, mais on peut parier qu'on aura droit à un moteur à chaque coin et que ça va cracher pas moins de 905 chevaux et 985 Nm de couple. L'EMEIA abattra le 0 à 100 en 2 secondes 78 avec une vitesse de pointe de seulement 256 km/h. Pour la recharge, il faudra compter sur 350 kW en courant continu, de quoi passer de 10 à 80% en 18 minutes. Le temps idéal pour boire un thé et pour prier Saint Colin Chapman de sortir de sa tombe pour nous refaire de vraies petites sportives légères. Car pour les EMEIA, on parle d'au moins 2,3 tonnes, ce qui représente plus de 3 Lotus Elise empilées les unes sur les autres. Cela dit, les EMEIA débarquent dans les concessions dès le premier trimestre 2024 et pour les tarifs, on parle de 100 000 euros minimum. Voici un truc encore plus incohérent qu'une Lotus pesant 2,3 tonnes, un SUV qui risque de faire trembler les fondations des titans européens du luxe. Le Yangwang U8, tout droit sorti des ateliers du redoutable constructeur chinois BYD, est une véritable déclaration de guerre à la banalité. Cette grosse bestiole, longue comme un défilé de mode et pesant bien plus lourd qu'un éléphant bien nourri avec 5,30 m de long et 3,5 tonnes, est équipée de non pas un, non pas deux, mais 4 moteurs électriques totalisant 1200 chevaux. Sachez également qu'il se moque littéralement des éléments. BYD annonce que ce U8 peut rouler sans problème dans 1 mètre d'eau et si jamais ce n'est pas suffisant, la marque a prévu une version Master Edition capable de rouler dans un gué d'1,40 m de profondeur. Et si jamais vous vous prenez pour Christophe Colomb, le mode Yachting est là pour vous. Il transforme ce mastodonte en véritable radeau de fortune avec une garde au sol maximisée et toutes les fenêtres closes à l'exception du toit ouvrant qui devient votre issue de secours. D'après le constructeur, l'engin peut naviguer pendant une demi-heure à la vitesse de 3 km/h, les jantes se transformant en hélices improvisées. En matière de technologie, le Yangwang U8 n'a pas lésiné avec pas moins de 14 capteurs à ultrasons, 5 radars et 16 caméras, même Spielberg n'en a pas autant. Si vous vous réveillez un matin en vous disant que cette voiture est faite pour vous, reprenez un café, une grande respiration et signez un chèque de 141 000 euros minimum. Voici quelque chose de gros, de costaud, de tout droit sorti de l'imaginaire de l'oncle Sam, le tout nouveau Ford Explorer.
Si vous êtes un habitué du bitume américain, ce nom ne vous est pas étranger. Il trône là-bas depuis plus de deux décennies en tant que légende. Aujourd'hui, il arrive sur le devant de la scène européenne, métamorphosé, fruit d'une alliance improbable entre Ford et Volkswagen. Son cousin germain n'est autre que le Volkswagen ID.4. Ce nouveau venu en impose, avec ses lignes droites comme un shérif en plein milieu du désert, au moins on peut dire qu'il a une vraie identité. À l'intérieur, c'est un festival de technologie avec un écran vertical qui trône fièrement, flirtant avec les 15 pouces. Et pour l'ambiance sonore, oubliez les haut-parleurs, on vous a installé une barre de son à la place. Mais revenons à l'essentiel, l'habitabilité. Il y a de la place à revendre pour vos gambettes et même la place centrale n'est pas mise de côté grâce à un plancher aussi plat qu'une poêle à crêpes. Et pour ceux qui ont des valises à trimballer, il propose 450 litres d'espace. Côté technique, Ford nous fait encore un petit numéro de mystère. 2 ou 4 roues motrices, c'est tout ce qu'il nous lâche pour l'instant. Mais on parle d'une autonomie qui flirte avec les 500 km et pour la recharge, il faudra compter 25 minutes pour passer de 10 à 80%. Pour les tarifs, là aussi, ça reste encore un secret bien gardé dans le coffre de l'oncle Sam, mais les réservations sont déjà ouvertes. Mais qui réserve une table dans un restaurant sans connaître le prix moyen des menus ? En parlant prix, passons maintenant à la nouvelle génération de Toyota Prius qui voit son prix devenir complètement délirant. Cette cinquième génération de la Prius a mis ses plus beaux atouts pour nous séduire. Un nez de requin qui frise la provocation, des optiques à double étage, une ligne de pavillon digne d'un coupé, bien aidée par les poignées de porte qui se cachent dans les montants arrière. À l'intérieur, l'instrumentation auparavant au centre a décidé de faire sa mue au-dessus du volant à la manière du Peugeot iCockpit. La qualité des assemblages et des finitions progresse. En même temps, c'était pas trop compliqué, même si on remarque quand même, et comme souvent chez Toyota, des plastiques qui ont une apparence un peu cheap. Pour le confort et les aides à la conduite, la Prius fait le plein, et ça, tant mieux vu les tarifs. Mais attention, pour monter à l'arrière, il faudra vous décapiter. La garde au toit régresse beaucoup par rapport à la dernière génération, mais ce n'est rien en comparaison au volume du coffre qui propose 284 litres. C'est 100 litres de moins qu'une Renault Zoé, les gars. Pour mettre ce chiffre en perspective, vous pourrez mettre 134 bouteilles de vin en plus dans le coffre de la Zoé. Sous le capot, c'est un mariage entre un moteur essence de 152 chevaux et un moteur électrique de 163 chevaux. Le 0 à 100 est abattu en 6 secondes 8 et la vitesse de pointe est de seulement 177 km/h. Cette nouvelle Prius est équipée d'une batterie de 13,6 kWh, de quoi offrir 86 km en 100% électrique. Quant à la consommation d'essence, elle est de 0,5 litres au 100. Mais maintenant, le coup de massue, les tarifs. On parle de 44 000 euros pour la version de base qui grimpe jusqu'à 51 500 euros. C'est-à-dire à peine plus cher qu'une Tesla Model 3 autrement plus intéressante. Et non, je ne suis pas payé par Tesla, mais force est de constater que cette nouvelle Model 3 présentée également au Salon de Lyon en offre beaucoup. On aime ou pas cet intérieur encore plus épuré que la première version, on aime ou pas les commandes de clignotant sur le volant, on aime ou pas cette face avant un peu vide dont les feux ne sont pas sans rappeler une certaine 406 coupée. Et pour le reste, on ne peut qu'apprécier le grand toit panoramique toujours présent, l'ajout d'un écran pour les passagers arrière, des efforts sur la finition qui n'a plus vraiment de reproches à recevoir, la très bonne habitabilité, l'équipement ultra complet, le coffre arrière qui offre quasiment 600 litres, soit deux fois plus que la Prius, sans compter le coffre à l'avant qui offre plus de 50 litres supplémentaires. Mais le plus intéressant reste son prix et son autonomie. La version propulsion offre 554 km d'autonomie pour 42 990 euros et donc 37 990 euros voire 35 990 euros avec le bonus. La variante grande autonomie équipée de deux moteurs est proposée à 50 990 euros et fait grimper l'autonomie maximale à 678 km. Donc Prius ou Model 3, elle ne s'adresse sans doute pas à la même clientèle, encore que, mais que choisiriez-vous ? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao !